Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer les 10 règles d'or tirées du livre Mortel, ce que nous révèle la science, réalisé par la rédaction de Science et Vie sous la coordination de Philippe Bourbeillon. Ce livre nous plonge dans une analyse scientifique approfondie de la mort, de sa compréhension à ses défis. Nous allons découvrir comment la science explique la mort, comment elle nous aide à la comprendre et comment elle nous propose des moyens de prolonger la vie. Allons-y! Mortel est un ouvrage fascinant qui nous invite à réfléchir sur la mort sous différents angles scientifiques. Il couvre des sujets allant de la biologie de la mort aux innovations médicales qui repoussent ses limites. Le livre est divisé en plusieurs sections, chacune abordant un aspect différent de la mort et de la longévité. Son objectif principal est de démystifier la mort et de fournir une compréhension claire et rationnelle de ce phénomène inévitable. Comprendre les processus biologiques. Cette première règle d'or consiste à comprendre les processus biologiques de la mort. Le livre détaille les mécanismes psychologiques qui se produisent lorsque le corps cesse de fonctionner. Il explique les étapes de la mort clinique, du dernier battement de cœur à la cessation des activités cérébrales. Comprendre ces processus nous permet de mieux accepter la mort comme une partie naturelle de la vie. Facteurs de longévité. Cette règle d'or se concentre sur les facteurs influençant la longévité. Ces facteurs incluent la génétique, qui détermine en partie notre durée de vie, ainsi que les habitudes de vie, telles que l'alimentation et l'exercice physique. L'environnement joue également un rôle crucial, tout comme les avancées médicales qui permettent de prévenir et de traiter les maladies. Une combinaison de ces éléments peut significativement affecter la durée de notre vie et de notre qualité de vie. Expérience de mort imminente. Cette règle d'or explore les expériences de mort imminente. Ces expériences, souvent racontées par ceux qui ont été proches de la mort, sont analysées sous l'angle scientifique pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau durant ces moments critiques. Les EMI sont souvent décrites comme des moments de grande clarté et de paix. Mais la science cherche à expliquer ces phénomènes par des changements neurologiques et chimiques dans le cerveau. Impact des innovations médicales. Cette règle d'or traite des innovations médicales qui ont un impact sur la mortalité. Des avancées en réanimation, telles que les défibrillateurs automatiques et les techniques de réanimation cardio-pulmonaire, aux transplantations d'organes qui sauvent des vies, la science médicale ne cesse de repousser les limites de la mortalité. Ces innovations ont transformé notre capacité à survivre à des conditions autrefois fatales et à prolonger la vie de manière significative. Perspective sur l'immortalité. Cette règle d'or discute des perspectives sur l'immortalité. La recherche sur l'extension de la vie, y compris la régénération cellulaire et les technologies de rajeunissement, est en plein essor. Cependant, ces recherches soulèvent des questions éthiques et philosophiques importantes. Quelles seraient les implications sociétales d'une vie prolongée? Comment gérer les ressources si tout le monde vivait beaucoup plus longtemps? Ces questions sont cruciales pour comprendre les enjeux de la quête de l'immortalité. Rôle de la nutrition. Cette règle d'or met en lumière l'importance de la nutrition. Une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels, peut contribuer à une vie plus longue et en meilleure santé. Le livre explore les super aliments et leurs bienfaits, tels que les antioxydants qui combattent les radicaux libres et réduisent le risque de maladies chroniques. Adopter une alimentation saine est une étape clé pour améliorer la longévité. Importance de l'exercice physique. Cette règle d'or souligne l'importance de l'exercice physique. L'activité physique régulière est associée à une réduction des risques de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète et certains cancers. De plus, l'exercice améliore la santé mentale en réduisant le stress et l'anxiété. Le livre recommande des activités comme la marche, la natation et le yoga pour maintenir une bonne forme physique et mental. Gestion du stress.
Cette règle d'or aborde la gestion du stress. Le stress chronique peut avoir des effets délétères sur la santé, contribuant à des maladies comme l'hypertension et les troubles cardiaques. Des techniques telles que la méditation, le yoga et les pratiques de relaxation peuvent aider à réduire le stress. Le livre discute des méthodes pour intégrer ces pratiques dans notre vie quotidienne afin de promouvoir un bien-être général et une longévité accrue. Influence des relations sociales. Cette règle d'or traite de l'influence des relations sociales. Un bon réseau de soutien social et des relations solides peuvent avoir un effet positif sur la santé mentale et physique. Des études montrent que les personnes ayant des liens sociaux forts vivent plus longtemps et sont en meilleure santé. Le livre met en avant l'importance de maintenir des relations positives avec la famille, les amis et la communauté pour améliorer la qualité de vie. Accès aux soins de santé. Cette règle d'or met en avant l'importance de l'accès aux soins de santé. Les soins préventifs, tels que les dépistages réguliers et les vaccinations, ainsi que les soins curatifs, jouent un rôle crucial dans la prolongation de la vie. Le livre discute également des avancées médicales récentes et de leur impact sur la santé et la longévité. Un accès adéquat aux soins de santé est essentiel pour prévenir et traiter les maladies de manière efficace. En résumé, comprendre la mort d'un point de vue scientifique nous aide à mieux vivre. Les 10 règles d'or du livre Mortel nous offrent des perspectives précieuses pour améliorer notre qualité de vie et prolonger notre longévité. En adoptant ces pratiques, nous pouvons non seulement vivre plus longtemps, mais aussi en meilleure santé. Merci d'avoir suivi cette présentation sur les 10 règles d'or du livre Mortel. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles et inspirantes. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux pour plus de contenu passionnant sur la science et la santé. Vos commentaires et vos questions sont les bienvenus. Maintenant, c'est à vous. Posez vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Merci encore pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.